chanson, c'est encore l'histoire d'un prince qui croit qu'avec ses coups d'en or, là, il va pouvoir attraper la bergère ou qui que quoi. C'est pas comme ça que ça se passe, mon garçon. Alors voilà, on peut même plus sortir au puits, tranquille, à la fraîche. Il faut qu'un Casanova endimanché vienne vous brouter l'oxygène. Mignonne, mignonne, viens dans les buissons, tu verras mon poignon. N'importe quoi. C'est rayé le disque ou bien? Il va boire le vin blanc et le chien et le chat. Ils montent sur la table et ils mangent le yaourt. Ah, j'en avais un moi de chat dans le temps, là. Un sacré voleur là comme celui-là. Hein? Il fallait rien laisser traîner. Un bout de lard, quick. Une tasse de lait, slurp. Une galette, miam. Ma mère, elle l'a attrapé. Oh, elle lui a dit, tu vas voir. Eh ben, elle l'a empaillé et il n'a plus jamais recommencé. Oui, bon, hein, l'accordéoniste a eu un accident de parapluie et ce jour-là, il était diminué. Le diable, c'est comme le coiffeur. Tu peux bien lui demander des bigoudis par-ci, des bigoudis par-là. À la fin, tu te retrouves toujours avec une tête de vieille. Oui, bon, ça c'est parce qu'ils n'avaient pas choisi la bonne taille de parole, alors la chanteuse, là, elle est obligée de tra-la-la, ti-la, ti-la, ti-ta, la-di-di-la-di-da. Oui, gna 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 chastré, gna 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 picherande, révise ta géographie auvergnate avec la vieille. C'est une chanson pédagogique, non? Oh, j'ai eu un galant une fois à picherande. Bon, pas bien malin, mais bon, il avait de belles cuisses, c'est déjà ça. Oh, il a dû se marier en quoi? En 36? En 53 peut-être? Pour ce que ça me fait.
c'était un beau mariage, hein. On a bien bu. Ah, pas malin, je vous le dis. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est de la chanson pornographique, voilà. De la pornographie gastronomique, quand même, hein? Du sérieux. Valse d'amour. Ma mère qui est vieille comme une souche, là, qui a de la mousse dans les oreilles et des champis dans les orteils, ma mère me dit toujours: méfie-toi, ma fille, les gars, c'est tous des Rolling Stones, ça joue les durs, ça roule d'une fille à l'autre, ça roule d'un bistrot à l'autre, ça roule, ça dépasse tes limitations, ça s'use, ça can't get no satisfaction. Bon, après, ma mère, elle dit pas que des finesses non plus, hein. Et va, ça tape du pied. Moi, je m'en souviens d'accordéoniste là qui tapait quand il jouait la bourrée, fort. Et nous autres à la veillée, on venait avec notre sucre morceau et zou, on lui mettait sous les pieds. Et ben ça faisait du sucre poudre pour tout le village à pas cher. Belle et gentille. Eh bien, avoir la vie sinistreuse qu'elle a eue, celle-là, elle aurait mieux fait d'être moche et méchante. Et sinon, vous savez comment les bonnes sœurs, elles se reproduisent? En couvent! La meilleure piste. Il faut la mettre dans un panier. 3, 4. L'autre jour, on en promenait. Oui, celle-là. Bon, c'est mon amie Andrivette Libouche, morte maintenant, la pauvre vieille, hein, qui me l'a apprise. Ah, c'était une fine, l'Andrivette, hein, je vous le dis. Elle connaissait des chansons plus de 1000, je vous le dis. Et c'est moi qui la chante, celle-là. Mmh. Parce qu'il faut bien relever le niveau un peu. Sinon, personne voudra y mettre du poignon là, dans leur disque. La trompette est sèche, les cerfs sont tout mous. Mon père avait 500 moutons, j'en étais la bergère. Mon père avait 500 moutons, j'en étais la bergère. J'en étais la bergère. J'en étais la bergère. C'est toujours les mêmes histoires, hein. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a bon dos, la bergère. Vous la voulez encore? Pierre. Quand elle a plus d'idées, elle redit tout ce qu'elle vient de dire. Bon, vous remarquez, pourquoi pas. Ah oui, alors ça, c'est une
avec des paroles en carton corésien. Écoutez, écoutez. Vous entendez? C'est du n'importe quoi. Bon, ça donne une excuse à la chanteuse pour mal prononcer le patois. Enfin, remarquez, elle n'a pas attendu qu'on l'excuse. Mais ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle la fois où j'ai tourné dans un film romantique italien avec comment il s'appelait? Vittorio Gassman. C'était la même musique. Oh, mais elle est passée où, la violoniste? Ah! La voilà! Oula! Tout ça pour des igouigouis! D'accord. C'est un peu répétitif, non? Oh, et puis l'accordéon, oulala, une note, deux notes, bon, peut-être même trois, il risque pas la foulure. Et alors, qu'est-ce que je vais offrir à mamie? 9 moutons bêlants, 8 belins bourrins, 7 chiens de berger courants, 6 rubans d'argent, 5 bouquets violets, 4 canards bleus, 3 pigeons du bois et les 2 tourterelles. Eh va, avec des cadeaux comme ça, il va aguicher tout le salon de l'agriculture. Ah, le chien roux. Parce que... le disque qu'ils ont fait, que voilà, hein? Ça s'appelle le chien roux. Je sais pas si vous avez noté. Parce qu'avant, quand j'avais pas encore de chauffeur, j'allais au cabaret le dimanche. Hein? Mais pas à pied, non. Parce que j'avais un chien, qu'on n'avait jamais su d'ailleurs, bon, si c'était un chien ou un renard, hein? Tout rouquin et bien bâtard, bon. Et comme moi, je suis pas bien grande, eh ben je montais sur son dos, comme sur l'image là. Et lui, il connaissait la route, tu parles. Tous les dimanches, on y allait, comme je vous le dis. Et je ne regrette rien. Bon, après moi, je vous dis tout ça. Un coup c'est noir, un coup c'est blanc, et puis ça me passe par-dessus, puis ça me fait pas tort. Et cric, et craque, qui pisse loin à bas.